bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour la deuxième manche de notre championnat Rally Raid avec les motos. On verra par la suite qu'il y aura donc les autos. On fait donc une deuxième étape dans le désert du Nevada. Donc trois spéciales d'à peu près 50 km. Et à l'issue donc de ce rallye, eh ben, on ajoutera des points aux pilotes avec donc l'addition déjà du rallye du Dakar qui a eu lieu en janvier, on se rappelle, sur notre chaîne Sport Gaming. Et on fait donc un mini championnat. On verra encore d'autres rallyes par la suite. Ça sera donc des rallyes personnalisés via des épreuves créées donc par la communauté. Donc on verra ça un petit peu par la suite. On a décidé de prendre Kevin Benavides et non pas donc Adrien Van Uden pour cette deuxième étape. Et on va faire donc tout de suite l'étape, la première étape donc sur la carrière abandonnée. Et on se retrouve pour le classement de cette spéciale. On voit l'image, donc Kevin Benavides, donc moto KTM, et ce qui change donc du coup par rapport à la dernière fois, vous voyez donc. Donc Exit Adrien Van de Vren, on a décidé de se faire un petit peu plaisir sur cette épreuve. On espère que ça va se réaliser au classement. Alors Kevin Benavides, qu'on n'avait pas trop vu à son avantage lors du Dakar. Il était vraiment très très loin en classement, tout comme les KTM, hein, qu'on avait eu inexistante sur ce Dakar. On rappelle que c'est Adrien Van de Vren qui l'avait gagné, lui, assez facilement. Alors là, ça va être compliqué, hein. On sait que voilà, le jeu de Dakar des Australiens nous a proposé donc, du contenu supplémentaire. On a décidé de le faire donc, sur le rallye du désert Nevada. Alors à l'heure où je vous parle, on l'avait déjà fait avec les voitures cette épreuve. C'est pas facile, alors en moto j'imagine même pas, pour un fond qu'on sort plutôt pas trop mal, mais il va falloir quand même regarder le roadbook attentivement. Alors après c'est facile relativement sur cette épreuve, c'est que les notes s'enchaînent vite et que le roadbook de ce set défile également à la même vitesse, donc on va faire trop d'erreurs de navigation. Et voilà, à l'heure où je dis ça, et ben voilà, on fait une petite erreur de navigation. Pour se revenir, ça va, on est pas trop trop perdu. On va emprunter une voie de chemin de fer. On va passer ici les roches. C'est plutôt sympathique, hein. C'est un paysage complètement différent de celui qu'on a rencontré du côté de l'Arabie Saoudite. Ça reste un paysage très très long de là. On a vu une petite voiture pour le côté. C'est bien pour Kevin Benavides qui va pouvoir s'en appuyer. Suivre un petit peu la trace de la catégorie SSX, catégorie qu'on a pas vu lors du dernier Dakar. Forcément ça prend énormément de temps et du temps on en a pas forcément. On a décidé de passer à l'offensive, on a visé la catégorie SSX donc. Alors on a vu une voiture au loin, on reste une voiture qui donc une voiture qui est déjà plus loin dans la spéciale. Après, les paysages sont sympas. Pas mal de virages sur cette portion. Ah, ça ressemble à une spéciale de WRC, hein, tout ça. On est le Dauphin numéro 10, c'est celui dans Louis Goncalves qu'on avait vu, hein, lors de quelques épreuves. Dans de quelques spéciales, pardon, du Dakar 2024. Lorenzo Santolino également. Alors, on voit les chaînes montagneuses en face de nous, c'est magnifique. Ah, plutôt sympa ce décor américain. Là, pour le coup, on est vraiment dans le décor américain. J'en profite également pour ce petit, lors de ce petit résumé, donc c'est des éléments pour faire un petit point pour ce qui va venir sur la chaîne avec la Formule 1, le Grand Prix d'Arabie Saoudite.
Donc ça a été le week-end, il y a également le foot avec la Ligue des Champions qui va revenir également pour ce mardi et ce mercredi. La Ligue Europa avec le match retour entre Lens et le Racing de Genk. Et puis bien sûr Chelsea Pack le président de même pour la Ligue Europa. Avec le match retour qui promet d'être sympathique. Je vous rappelle que Chelsea a perdu 3-1 le match aller, donc il faut gagner la match 3-0. Pour espérer se qualifier pour la suite de cette Ligue Europa, mais il y a toujours le Paris Saint-Germain qui est qualifié pour la Ligue Europa au cas où si ça va mal. Hein. Et puis vous verrez également le retour de la Betclic Elite, le basket avec le parcours magnifique du Fluency Basket qui s'est révélé après son départ catastrophique. Enfin, de toute façon, on y reviendra et on reviendra bien sûr sur ces. Fort, attention à la petite épargne, il faut pas la monter. C'est parfait pour Kevin Benavides. On a gauche, la trajectoire, c'est parfait. Et là, on a les traces du camion, on a juste à suivre. C'est top, qui fait pour enfoncer Kevin Benavides. Ah, ça va peut-être donner la première victoire du spécial. Pour l'instant, ils sont forts plutôt pas trop mal. On va voir au niveau du chrono, mais je pense que ça va être un super chrono que va nous faire Kevin Benavides. Et il va franchir la ligne en première position. Voilà, Kevin Benavides remporte la première spéciale devant Lorenzo Santolino pour 33 secondes. Et pour 35 secondes, et ben c'est Daniel Sanders qui prend la troisième place. Sam Sunderman 4e, Quintanilla 5e, Luciano Benavides, donc le frangin de Kevin, lui est 6e. Et puis après, tous les Portugais hein, sont là, Mario Patrao, Rui Goncalves et Joaquim Rodriguez, donc pour l'équipe Hero Motorsport. Rose Branch 9e également, côté français, Adrien Van Beveren est 15e. Et puis les Américains qui sont à domicile, seulement 11e et 12e. Et on voit hein, déjà qu'il y a un petit écart, mais... voilà, c'est un rallye qui est assez rapide, donc les écarts ne sont pas énormes et ça peut basculer donc d'une spéciale à une autre. Et bien écoutez, moi je vous donne rendez-vous pour la deuxième spéciale qui va suivre dans ce résumé moto. La deuxième spéciale donc nous emmène à Pierre Duquerne, donc toujours pour ce désert du Nevada. Et on va donc partir en première position avec donc Kevin Benavides, on reprend l'ordre d'arrivée de la première spéciale. Donc c'est donc à notre honneur d'ouvrir la route pour cette deuxième et avant-dernière spéciale de ce rallye du Nevada. Alors une spéciale donc, qui commence assez tardivement, on l'a vu hein, lors du départ, c'est 17h45. Et attention déjà, il y a une petite crevasse hein, qui a été faite. Donc ouais, lors de départ 17h45, on risque de rentrer dans la nuit, dans cette spéciale. Ça va pas être facile, hein, surtout s'il y a des traces à suivre. Il va falloir être vigilant et faire le moins de temps possible. On voit que c'est un chemin très très compliqué, il va pas falloir... percuter en ordre ou quoi, un petit tardu. Vraiment c'est pas facile là, de créer un chemin dans la boue, c'est entre la végétation. Il peut y avoir des cailloux hein, bien cachés, des rochers. Ça fait 268 qu'on va traverser la rivière. On va arriver à ce virage. Hop, on repart tout de suite. Allez, vous voyez, on a fait une petite erreur de navigation. Allez, tout de suite, ça se cache. Allez, tout de suite, on a repris le bon cap. Eh oui, non, on s'est perdu, on s'est de nouveau perdu avec Kevin Benavides. Ouh là là, ça va pas falloir perdre énormément de temps.
Alors reprendre à gauche, ça c'est la bonne direction. Attention si dans cette spéciale là. Il faut comprendre un petit peu le roadbook. Vas-y donc là, de s'en sortir. Allez, ça va déjà un peu mieux. Je comprends un petit peu le roadbook. Alors du côté des autos, on verra un petit peu plus tard que merci à la pierre qui s'est imposée sur cette deuxième manche du rallye raid du championnat du monde. Toyota Ilus. Donc, je vous rappelle, hein, c'est donc Camille Mérides qui menait la catégorie moto. Donc, pour l'instant, il est bien parti. Oh, attention, on a vu le rocher là qui était pas trop loin. Oh là là. Ouais, ça a l'air qu'on s'est fait. Et tiens, on va en parler des voitures. On est en train d'en croiser. Il me semble que c'est l'Audi qui est devant nous. J'aurais pu très content de voir le numéro de la voiture de son jeu, il me semble que c'est le numéro de Charles Sainz, non, c'est pas le 47, peut-être bien. Je pense que c'est pas le 47. Et on a le body d'un pilote chinois qui est devant nous. On va reconnaître assez facilement hein, le body chinois. Vous voyez, donc la nuit commence à tomber. Beaucoup de véhicules, là on en voit bien sûr à droite, là c'est un véhicule rouge, je sais pas si c'est pas un camion. En fait l'apercevant dans quelques kilomètres, on arrive à le rattraper. Ah, vous voyez pareil, ben c'est rouge, et ben non c'est bleu, c'est jaune, c'est un camion. Il a allumé les phares aussi. C'est rare hein, de voir des épreuves se dérouler dans la nuit. Là on est dans la nuit. Une magnifique désert du Nevada. Alors on commence cette partie moto, sachez que la partie auto ne sera pas comme montée. Elle a fait avant et du coup on voulait pas profiter un petit peu du son. Du coup, le tas qui est quand même magnifique. Je trouve que c'est l'un des beaux bruits de moteur qu'il y a sur le jeu. Donc voilà, je vais pas profiter un petit peu de cette ambiance. À 440 et là on va arriver dans les dunes. On a besoin d'avoir Aurélie du docteur. On n'a pas eu beaucoup de dunes hein, sur ce désert du Nevada. On va se contenter de ces peu de dunes. C'est toujours la piste. On se déroule plutôt pas trop mal et j'ai l'impression qu'on va peut-être pas réussir à faire mon temps sur cette façon générale du côté de Kevin Benavides. Ça me semble plutôt bien parti cette histoire. On va reprendre à gauche là et en direction la ligne d'arrivée. On voit les montagnes enneigées, on voit surtout un panneau qui nous indique l'arrivée, le panneau vert là. Et on va franchir la ligne d'arrivée en première position. Deuxième victoire de spécial pour Kevin Benavides. Et ce coup-ci s'impose avec 2 minutes 20 d'avance sur Andrew Short. Les Américains sont de retour hein, avec Andrew Short à la deuxième position. Skyler Rose à la quatrième et Ricky Brabec à la sixième. Van Beveren donc qui est neuvième mais déjà à plus de 5 minutes du classement de cette étape numéro 2. Au classement général, ce que ça donne, Sam Sunderland, donc deuxième de ce rallye.
Et Skyler-Rose, troisième, et il peut peut-être aller chercher la deuxième place. En tout cas, Kevin Benavides lui dispose de 5 minutes 10 d'avance. Un petit match là déjà confortable sur Sam Sunderland. Les Américains donc sont 3 dans le top 10. Ça va déjà mieux pour les Américains. Adrien Van Beveren, pardon, est 11e. Allez, on se donne rendez-vous pour la troisième et dernière spéciale de ce rallye désert du Nevada. Allez, le départ de cette dernière étape autour du lac Salé. Donc, dernière étape, troisième étape. Départ 7h45 du matin, Kevin Benavides. Donc, qui repart en première position. Vainqueur de la deuxième spéciale. Pierre Bikern. Vainqueur aussi de la carrière abandonnée. Pour réaliser le grand chelem s'il s'en peut sur ce troisième et dernière spéciale. C'est parti. On disait que c'est désert. Le deuxième spécial où on s'est compliqué, beaucoup de changements de trajectoire. Vous allez voir que c'est pas facile. Ouais, déjà une petite frayeur, là on part un petit peu en glisse. Donc attention à ne pas faire d'erreur. Voulu proprement assurer donc cette trajectoire, le roadbook, le comprendre. Ça passe beaucoup dans des rivières, dans des cours d'eau. Reprendre sur la droite. Voilà, on a bien assuré. Et voilà, là on roule plutôt bien, ça roule plutôt pas mal hein, pour Kevin Benavides. Ils sont à l'attaque, ils sont coéquipiers, c'est un peu du price. Deuxième sur la piste. On a le droit, là, ça va prendre la droite, c'est bon, elle a pas loupé. Sachez que pour retrouver un paysage comme ça, on le retrouvera bientôt sur notre chaîne Sport Gaming avec le rallye du Mexique. Ça va être sympa aussi de suivre ce rallye du Mexique. Et là ça sera avec Sébastien Ogier et cette Toyota, et là ça va être un peu compliqué. On a déjà fait des essais sur ce rallye du Mexique. C'est un rallye où on va être, je pense, en très grosse difficulté. C'est pas un rallye qui a notre avantage. Donc on va essayer de limiter la casse du côté de Sébastien Ogier, mais là plus vieux. Et donc on sera toujours là pour commenter ce qu'il arrive, que ce soit moi ou Christopher, ce rallye du Mexique. Cette troisième manche du championnat du DRC. Pour l'instant, c'est un championnat passionnant. Après la Suède et puis Monte Carlo qu'on a suivi au tout début de saison. Négaté en sport mécanique quand même. Négaté. En plus, les jeux sont assez sympas à faire, donc beaucoup de plaisir. À part une voiture qui est à l'avant. Plus cher hein, que l'été dégagé, on va pouvoir contenter de suivre. C'est un véhicule rebellion. C'est celui de Casti ou Romain Dumas. En tout cas, ça roule proprement hein, pour Adrien Van Beveren. On nous dit qu'on apprend et Benavides aussi, ça roule plutôt pas mal. En train de viser un concurrent quad. Les quads aussi hein, qui sont mis à l'honneur là. Vous avez vu les camions, les autos. Il y a aussi les quads. Oula, on a loupé la trajectoire. Ah oui, c'était en hors-piste. On n'a pas bien vu l'indication. Là, il va falloir tout de suite repartir sur le waypoint. Voilà. Heureusement, on a la boussole qui est revenue. Et ça, on a des grosses vitesses, c'est quand même super dangereux. Hein. On a des rochers. Je vous disais tout à l'heure, faut pas tomber quand même. Donc, c'est
fait ce premier article. Alors, partie de la piste. Alors, les montgolfières, c'est magnifique, magnifique. On va approcher du lac salé. On va faire un décor blond. Magnifique aussi de l'arrivée. Pour clôturer ce rallye au désert du Nevada. On va juste à droite hein. Le pain de piston, on fait l'arrivée et on voit un véhicule encore une fois. Véhicule rouge. Je ne sais pas si c'est pas celui de Pierre Lachaume. On rappelle plus exactement les couleurs des véhicules, des couleurs français. On a voulu suivre le pilote et en fait lui aussi se tromper. Et on voit tiens, en haut à droite que Ignacio Cornero et Andy Bouchard sont en vie pour deuxième et troisième position de cette spéciale pour l'instant. Et c'est tous les pilotes KTM qui sont là. Attention, c'est un petit peu embarqué avec la KTM. On va rouler donc sur ce lac. On reprend la droite et ce sera la ligne d'arrivée. Et ce sera la troisième position sur cette spéciale. Et pourtant on a plutôt bien roulé, on avait une bonne impression. Et ben non, ce ne sera pas le grand chelem pour Kevin Benavides qui termine cette étape donc et qui va remporter par la même occasion. Donc ce désert du Nevada, Mathias Wagner va remporter la dernière spéciale, donc c'est un grand chelem KTM quand même, puisque donc les KTM s'imposent sur les trois spéciales. Santolino donc une quatrième de cette spéciale, Rodriguez cinquième et Goncalves sixième. Adrien Van Beveren, qu'on le disait dans l'oreillette, roulait plutôt pas mal, et ben il termine huitième de cette spéciale, à voir s'il rentre dans le top 10 hein, du coup. Par contre déception, hein, parce que Quintanilla, Sunderland, les Américains, et Toby Price sont loin derrière, donc oui, à mon avis, Van Beveren va intégrer le top 10 de ce désert du Nevada. On va voir tout de suite le classement général par le biais d'un retour menu. Eh ben non, même pas. Classement général, donc Benavides qui remporte l'épreuve devant Santolino, Rodriguez 3ème donc sur sa lancée du Dakar, Samson Derwent 4ème et Sander 5ème. Et le vainqueur du Dakar, Adrien Van Beveren, qui finit dans le même temps que Aaron Marr, donc 31 minutes 14, termine 10ème donc de cette épreuve. Voilà, il marque encore des points, on va faire les calculs de notre côté et on se donne rendez-vous pour une prochaine épreuve sur notre antenne Sport Gaming. Allez, je vous dis bonne soirée, je vous laisse avec le résumé auto. Ah, fin de soirée compliquée et on se dit à bientôt. Allez, salut à tous. Attention, danger 1, bosse. À gauche vers la piste, bosse. Continuez vers la piste, caillou. 1 km, restez sur la piste. Garde le cap. On s'éloigne de notre cap. Tout droit sur la piste, s'il veut.
droit. Cap 252, caillou. 1 km, continuez sur la piste. Attention, danger 1, caillou, caillou, cuvette. 1 km, virage à gauche en approche. Serré à droite, cap 289, montez. Doucement, tout doux, essayons de finir en un seul morceau. 1 km, restez sur la piste. Kilomètre. Attention, danger 1, caillou. Caillou. 1 km, virage à gauche en approche. Serré à droite, cap 253, bosse. Continuez sur la piste. Caillou. 1 km, virage à gauche en approche. Serré à droite, cap 256, danger 2, montez, cuvette. 246, hors piste, quittez la piste. 1 km, virage à droite en approche. Cap 276, hors piste. Cap 276, hors piste. 1 km, virage serré à gauche en approche. Maintenant, cap 203, hors piste. 1 km, virage à gauche en approche. Attention, danger 1, bosse. Cap 172, hors piste, bosse. 1 km, tout droit. Attention, danger 3, cuvette. Cap 162, hors piste, danger 3, saigné. 1 km, continuez sur cap 162. Cap 164, hors piste, bosse. 1 km, virage à gauche en approche. Cap 107, hors piste. 1 km, virage à gauche en approche. Attention, danger 1, entre les cailloux. Cap 45, hors piste. 1 km, virage à droite en approche, entre les cailloux. À droite vers la piste. À droite vers la piste. Kilomètre, virage à gauche en approche, entre les cailloux. Serré à gauche, cap 217. Restez sur la piste. Un kilomètre, restez sur la piste. Attention, danger 3, descente, caillou, cuvette. Danger 3, descente, caillou, cuvette. Virage à gauche en approche. À gauche, cap 188. 1 km, restez sur la piste. Attention, danger 2, descente, entre les cailloux. Danger 2, descente, cailloux. 1 km, attention, danger 1, descente, entre les cailloux. Descente. 1 km, virage à gauche en approche, entre les cailloux. Serré à gauche, cap 104. 1 km, continuez sur la piste, cailloux droit devant. Serré à gauche, attention, danger 1, bosse, entre les cailloux. Serré à gauche, cap 344, bosse. 1 km, tout droit, attention, danger 1, caillou. Tout droit, cap 38, caillou. 1 km, restez sur la piste, attention, danger 3. Danger 3. 1 km, virage serré à droite en approche. Serré à droite, cap 193. 1 km, serré à gauche, attention, danger 1. Serré à gauche, cap 252. Virage serré à gauche en approche. Serré à gauche, cap 82. 1 km, tout droit sur la piste. Attention, danger 1, caillou sur la gauche, caillou.
1 km. Serré à droite. Attention, danger 1. Serré à droite. Cap 53. Boss. 1 km. Virage à droite en approche. Entre les cailloux. Serré à gauche. Cap 214. 1 km. Continuez sur la piste. Cailloux sur la droite. Tu as bien conduit, mais ce n'était pas suffisant. On n'est pas sur le podium. On fera mieux la prochaine fois. Attention, danger 1, boss, entre les cailloux. Cap 205, hors piste, boss. Continuez sur cap 205, cap 201, hors piste, danger 2, cuvette. 1 km, se concentrer sur cap 201. Cap 212, hors piste, descente, boss. 1 km, virage à droite en approche, attention, danger 3, descente. Cap 259, hors piste, danger 3, descente. Cap 263, hors piste, danger 3, descente. 1 km, virage serré à droite en approche. Maintenant, cap 344, hors piste. Un km, virage serré à gauche en approche. Maintenant, cap 268, hors piste. 1 km, virage à gauche en approche. Attention, danger 1, boss. À gauche, vers la piste, boss. Serré à droite, cap 189, cuvette. Serré à gauche, cap 216, caillou. Serré à gauche, cap 208. Serré à droite, cap 124. Virage à gauche en approche. À gauche sur la piste, danger 2, montée. 1 km, virage à gauche en approche. Attention, danger 1. Entre les cailloux. À gauche sur la piste. 1 km, virage à gauche en approche. Attention, danger 2, sinueux, arbre sur la gauche. À gauche sur la piste, danger 2, sinueux. 2 km, virage à gauche en approche, entre les cailloux. Serré à gauche, cap 170. 1 km, virage à gauche en approche. Cap 143, hors piste, quittez la piste. 1 km, tout droit. Attention, danger 2, descente. Le cap n'est pas dans cette direction. Cap 154, hors piste, danger 2, descente. Cap 156, hors piste, boss. 1 km, serré à gauche. Cap 161, hors piste, danger 2, boss. Virage à droite en approche. Cap 185, hors piste, cuvette. 1 km, serré à gauche. Cap 193, hors piste, danger 3, boss. 1 km, continuez sur cap 193. Cap 177, hors piste, danger 2. 1 km, tout droit, attention, danger 2, cuvette, entre les cailloux. Cap 159, hors piste, danger 2, cuvette.
1 km. Serré à gauche. Cap 150, hors piste. Danger 3, boss. Tout droit vers la piste. Un kilomètre, serré à gauche. Attention, danger 1, entre les cailloux. Serré à gauche, cap 170, cailloux. Serré à droite, cap 166, danger 2, boss. Un kilomètre, virage à droite en approche. Attention, danger 1, cuvette, entre les cailloux. Serré à gauche, cap 181, cuvette. Un kilomètre, continuez sur la piste, entre les arbres. Un kilomètre, tout droit, entre les cailloux. Tout droit, cap 109. Un kilomètre, virage serré à droite en approche. Maintenant, cap 86, hors piste, quittez la piste, montez. Cap 144, hors piste, descente, bosse. 1 km, virage serré à droite en approche. Attention, danger 1, bosse, cuvette, entre les cailloux. Maintenant, cap 216, hors piste, bosse, cuvette. 1 km, virage serré à gauche en approche. Maintenant, cap 140, hors piste, petite dune. 1 km, se concentrer sur cap 140. Attention, danger 3. Cap 141, hors piste, danger 3, dune. 1 km, virage à droite en approche. Attention, danger 3, dune. Cap 201, hors piste, danger 3, dune. Cap 156, hors piste. Cap 203, hors piste, danger 3. 1 km, virage serré à droite en approche. Attention, danger 3, boss, petite dune. Maintenant, cap 277, hors piste, danger 3, boss, petite dune. Virage serré à gauche en approche. Maintenant, cap 193, hors piste, danger 3, descente. 1 km, virage à gauche en approche. Attention, danger 1, à gauche vers la piste, petite dune. 1 km, continuez sur cap 139. Continuez vers la piste. Fais attention au cap. Cap 30. Cap 56, hors piste, quittez la piste. Cap 62, hors piste. 1 km, continuez sur cap 62. Bien joué, on se dirige vers le podium. Cap 128, attention, danger 1, cuvette, serré à gauche, cap 128, cuvette, serré à gauche,
serré à gauche. Cap 177. Danger 2. Bosse, caillou. 1 km. Virage serré à droite en approche. Attention. Danger 3. Sinueux. Entre les cailloux. Serré à gauche. Cap 278. Danger 3. Sinueux. Tout droit. Cap 264. Danger 2. Caillou. Haut. Bosse. Serré à droite, cap 196, 1 km, virage à gauche. Serré à droite, cap 218. Serré à droite, cap 257. Danger 3, étroit, cuvette. Virage à droite en approche. À droite sur la piste, caillou. 1 km, serré à droite. Serré à droite, cap 350. Bosse, 1 km, serré à gauche. Serré à gauche, cap 42. Serré à droite, cap 303. Droite serrée sur piste. Virage à droite en approche. Tout droit, cap 325. Caillou, cuvette. Gauche serrée sur piste. Danger 2. 1 km. Virage à gauche en approche. Attention, danger 2. Entre les cailloux. 1 km. Virage serré à gauche en approche. Gauche serrée sur piste, danger 2. Virage à droite en approche. À droite sur la piste, bosse. Un kilomètre, serré à gauche. Attention, danger 1, sinueux, entre les arbres. Serré à gauche, cap 336, sinueux. Virage à droite en approche. Serré à droite, cap 283, sinueux. Un kilomètre, virage à droite en approche. Serré à gauche, cap 12. 1 km, virage à droite en approche. Attention, danger 2, sinueux, entre les cailloux. Serré à gauche, cap 333. Danger 2, sinueux. 1 km, serré à droite. Attention, danger 1, sinueux, cuvette. Serré à droite, cap 256. Sinueux, cuvette. Virage à gauche en approche. À gauche sur la piste, bosse. 1 km, serré à gauche. Serré à gauche, cap 264. 1 km, virage à droite en approche. À droite sur la piste, danger 3, sinueux. 1 km, continuez sur la piste. Bosse, sinueux. 1 km, virage serré à droite en approche. Attention, danger 1. Maintenant, cap 308, hors piste, quittez la piste. Gravier, cuvette. Le cap n'est pas dans cette direction. Cap 352, hors piste, bosse. Cap 7, hors piste, caillou. Cap 8, hors piste, cuvette. 1 km, virage à droite en approche. Cap 35, hors piste. Cap 98, hors piste, cuvette. 1 km, virage à gauche en approche, entre les cailloux. Gauche vers la piste. Un kilomètre, virage à gauche en approche. Attention, danger 1, caillou. Doucement, tout doux, essayons de finir en un seul morceau. Un kilomètre, serré à gauche. Attention, danger 1, cuvette. Serré à gauche, cap 42, cuvette.
1 km, virage à gauche en approche. Attention, danger 1. Serré à droite, cap 33, boss. Serré à gauche, cap 86. 1 km, continuez sur la piste. Danger 2, boss. 1 km, serré à droite. Attention, danger 3, boss. Serré à droite, cap 13, danger 3, boss. Serré à droite, cap 64, boss. À droite sur la piste. 1 km, virage à gauche en approche. Attention, danger 2, cuvette. Garde le cap. Vous devez aller vers cap 357. À gauche sur la piste. Danger 2, cuvette. Serré à droite, cap 30. À droite sur la piste. 1 km, continuez sur la piste. Descente, sinueux. 1 km, virage à gauche en approche. À gauche sur la piste, boss. 1 km, virage à droite en approche. Attention, danger 1, gravier, caillou sur la gauche. À droite sur la piste, gravier. 1 km, tout droit sur la piste. Ils nous ont vraiment distancés. Ne lâche rien, on peut le faire.